Ok, ça marche. Eh ben donc il y aura deux petites parties. Deux parties pour cet épisode, pour ce stream. Donc je disais, il n'y a pas de petit profit. On va se faire ça, tranquillou. Je vais en profiter justement pour faire une petite pause kawa les gens. Donc je vous dis à de suite. Heureux les gens. Allez, c'est reparti. Alors, un invité n'a pas de lit. Non, c'est... Ah, mais si, c'est des invités robots. Des invités robots, des invités robots. Alors, Vett s'est trouvé un lit. Alors celui-là, je peux le mettre aux invités et je vais le faire payer 10 avec un peu de chance. Il acceptera de payer. Ok, on est pas mal. Alors j'ai plus trop de métal. Donc je vais attendre un peu. Il y en a plusieurs qui n'ont pas de lit. Oh merde. Pourquoi être partout là? Le tissu, on commence à être pas trop mal aussi. Donc je vais reconstruire petit à petit hein, tout ce que j'avais à faire. J'avais une table de billard ici, il me semble. Une table de billard qui était classe en jade, mais je crois que j'ai eu beaucoup de pertes. Quoi on va la faire? On peut la faire en améthyste. En améthyste ou en quartz. Alors, loisir. Loisir, loisir, loisir. Table de billard en quartz.
Oui, c'est possible. Allez, c'est parti. Je rappelle toujours qu'on a un hiver volcanique de fou furieux et que c'est compliqué. Hein. La coupure, Galgarad. T'as raté une coupure. J'ai Streamlabs OBS qui a planté. Mais sinon, non, t'as pas loupé grand chose. Mange du lait. Ah, mais tu tapes tout ce qui traîne, Célène, quoi. D'accord. Il fait 43 degrés en extérieur. Ils sont cool, tes hivers. C'est un hiver volcanique, attention. Imagine si jamais il n'y avait pas ça. Ça serait pire. Pire que tout. Alors, pour ça, il faut quoi? Fertilité, sensibilité à la vertivée, sort 0%. On s'en fout, quoi. On s'en fout, on s'en fout. On peut agrandir la zone, il n'y a aucun souci. Allez, hop. C'est le seul avantage avec les cactus, c'est qu'en fait, comme ils sont pas du tout sensibles à la fertilité du sol, ça pousse vraiment à l'arrache n'importe où. Ça dure combien de temps, Steven? Ouh, à mon avis, plusieurs années, je pense. Je pense que ça peut durer plusieurs années. Alors, mes jeunes animaux. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Il y avait aussi les armures, que je voulais en permanence des armures. Animal plate armor et simple helmet metal. Alors, où est-ce que c'est ça? Il n'y a pas des trucs avancés? Putain, j'ai les outils aussi, mais les outils c'est à moitié bugué, ça c'est chiant parce qu'ils pouvaient en porter plusieurs en même temps. Alors, jusqu'à en avoir 2, jusqu'à en avoir 2 aussi. Qu'est-ce qui se passe, Mylex? Mon frère, mon amoureux, oui, effectivement, t'as bien tilté. A dû repousser JBB. Ah, JBB qui essaie d'attaquer. Alors, ils bouffent de la gelée d'insectes qu'ils ont piqué parce que normalement, il n'y en a plus. Ils sont forts. Au niveau de la faune, c'est toujours la dèche. Inspiration pour le dressage. Ok, super. Bonne nuit, Jérémy, ciao, ciao. Ouais, c'est horrible, The Best. Syndrome de la tourette, Mylex, et parce que ça tilte. Hein. Ça tilte, ça tilte, ça tilte. Elle est pas gagnée cette campagne. Hein. Les objectifs qu'on s'est fixés là, ça va être chaud.
Tu vas pas me dire que j'ai pas un composant. Putain, si j'ai des composants. Sélène. Viens faire ça, s'il te plaît. Utilise les ED en carry pour le faire. Donc. Oui, c'est plutôt une bonne idée, ça. C'est plutôt une bonne idée. Alors, les ED pour le carry. Minage carry. Alors, pas lui, pas le 4, parce que le 4, je sais qu'il a la recherche. Alors, ED4 et Mylex qui ont commencé une frittage, ça c'est cool, super. Alors, 2, 5, 6. 2, 5, 6. Ok, 2, 5, 6. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Attends sans rien faire. Oula, là il y a eu un bug. Non, c'est bon. Mylex. Va consulter Mylex, s'il te plaît. Et Sian, va l'écouter. Important. Ok. Il veut pas. Ouais, il y a Sian qui le fait, mais il n'y a pas que là. Il y en a d'autres qui peuvent aussi. Ah, Poussinou, ta chambre est finie. Ça, c'est cool. C'était pourquoi déjà ici j'avais un étalon de forgeron électrique, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Ils vont souvent en psychanalyse depuis que Gigi n'est plus là. Lol Renolf. Un scan est raciste à des punks à cyber chien psy. Tu n'avais pas de thé qui augmente le bonheur? Si, effectivement, j'ai taqué de thé mais je n'ai pas lancé la production de thé. Tu fais bien de m'y faire penser. Parce qu'effectivement, il y a deux choses à faire, c'est thé en boucle. Voilà, le thé et le café en boucle. Tu fais bien de m'y faire penser. Bien vu, Falk. Il y en a qui suivent quoi. En boucle. Pour construire les harpes et le piano et la forge. Ah, bien vu. Merci beaucoup, Yurameshi. Effectivement, il y avait ça. Je suis toujours en PLS, ça fait long. Ah mais normal, t'es en catatonie. Catatonie, c'est en gros, tu peux durer un certain temps. Alors, par contre, ce qui m'inquiète... Ok. Il me reste un petit peu de foin, mais je vous garantis que ça va partir en live cet hiver volcanique là.
suis au comment bilan énergétique? Je suis très bien. C'est chiant, c'est que j'aurais pas tout à gauche. À droite, pardon. Bon, c'est pas grave, je vais faire ça comme ça. Et je ferai un champ que sur la gauche. Dans un premier temps. Personne pour me mettre de baffe que je me réveille. Ok, alors une fois que la recherche est faite, on va faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si le vaisseau, faut que j'arrive à faire des skips, des vaisseaux plus petits. Non mais les lampes à UV pour les plantes, je les ai déjà. Hein. Elles sont là. Les lampes horticoles. C'est les mêmes, hein. Il n'y en a pas d'autres. J'ai pas installé de mode qui rajoute des murales, mais je pense que ça doit exister, ça. Ah, les murales, elles sont là-dedans? Oh putain, attendez, attendez, attendez. Scanner les géologiques. Ah, attends, 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 attends. Là, vous allez m'apprendre un truc. T'es en train de me dire que si jamais je fais les lampes colorées, j'aurai les lampes UV murales. Et là, c'est énorme. Parce que là, je ne le savais pas. C'est pas un mode, c'est un natif, ça, les lampes colorées. Lumière colorée. Mais t'as pas les murales. En quoi les murales font sont plus faciles à dresser normalement. Wall sunlight. Ah putain! Ah mais non. Oui mais elles font pas de la lumière pour les plantes celles-là. Si? Et là vous allez m'apprendre un truc les gens. J'ai quelques centaines d'heures de jeu. Celles-là je les utilise jamais parce que c'est des lumières un peu kikou et puis je le fais pas, mais c'est vrai que ça rajoute du roleplay. Vous êtes en train de me dire que ces lampes-là sont des lampes qui fonctionnent? La wall sunlight? Ah, mais oui, il y a une wall sunlight! Ah putain, mais je suis trop. Bip! Alors là, je pense que ça va être intéressant. Là, je pense que j'ai appris un truc là. Comme quoi, on en apprend tous les jours avec ce jeu, quoi. C'est énorme. Pour le coup, c'est un mauvais équilibre du mol wall light. C'est-à-dire Tandopoy. Ça donne une couleur violette, ça fait labo de drogue. Oui, non, mais c'est sûr, si c'est des lumières UV, oui, ça semble logique. Phyto mining, c'est quoi ça? Parce qu'effectivement, j'ai Mister C qui a un truc pour le dressage. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Phyto mining, vous connaissez ça? Des animaux intéressants, du stuff, s'ils sont encore chargés. J'ai pas fait gaffe le dernier événement, ce que c'était. C'est quoi, c'est une caravane? Pop, 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 caranéval. Ah oui, exact. Effectivement.
Tu récupères un ensemble pour seulement 300 de tech, là où normal ça coûtait plus cher en recherche. Alors, un groupe d'unités Phaeton Mining abandonné ou perdu à l'intérieur. Il semble avoir appartenu à une caravane car elle transporte toujours des sacs contenant les objets de valeur. Vous pouvez les récupérer ces objets si vous apprivoisez ou les tuer, sinon ils quitteront la zone dans quelques jours. Effectivement. Alors, il n'y a pas de notion de mâle ou de femelle. Lui, par contre, a des médicaments, donc lui, ça m'intéresse. Apprivoiser, Mister C. Va l'apprivoiser. Là, on va l'apprivoiser aussi. Ok. JPB, je pense que tu vas pouvoir aller le dresser. Ok, très bien. Et ces créatures-là, qu'est-ce qu'elles font? Parce que j'aime beaucoup le nom Phyto Mining. Fournissent de la métallie wild que tu peux transformer en acier. Ah oui, nommé d'après le processus effectué par ces machins, extrait les petites quantités de métal absorbées par les plantes, les affiner et les expulser sous forme de longs brins grêles sur le dos et le cou. Classe! Et je peux en faire de ça, je crois. C'est pas con ça. Des phytomining, je peux pas en faire de ça? Si, des phytomining, je peux en faire. Ça aussi, ça peut me donner une source de revenus. Ok, ils sont contents, ils m'ont laissé des nano-kits, de la bière et de la gelée royale. Ah oui, ça fait du métal, c'est cool ça, effectivement. De toute façon, il va falloir que je trouve plein de ressources, enfin plein de manières différentes là. Alors, je vais pouvoir désinstaller ça. Désinstaller ça. Alors, il me faut Selene. C'est là où est-ce qu'on va mettre le truc en place. Ah, pourquoi ça marche pas? Sortie de souterrain, peut-être parce que c'est pas alimenté encore. Salem, c'est pas fini, viens ici. Il y a un problème. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas les gens? Ah! J'ai une entrée de souterrain. Pourquoi ça marche pas? Ouais mais ça c'est que des numéros, hein. Les poules j'en ai pas 60, hein. C'est ce qui me reste, hein. C'est pop pop pop. pourquoi ça marche pas? Supprimer de la zone, on va supprimer ça. Doit être placé à portée d'une entrée souterrain existante. Parce qu'elle n'est plus alimentée électriquement. C'est parce qu'elle n'est plus alimentée électriquement, c'est obligé que ce soit ça. Alors, on va vérifier ça après. D'abord, je vais faire aussi télévision, ça fera un loisir en plus. C'est la petite recherche, et après je pars sur les vaisseaux.
Allez. Putain, c'est pas ça. Alors, désinstaller. Ouais, les lampes, c'est fini, mais d'abord, je veux régler le problème. Pourquoi ici, ça ne fonctionne pas? C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai l'impression que le mode bug. Alors après, je sais pas si c'était la mise à jour 1.2 qui fait ça. Mais alors, je vais supprimer toutes les zones qui sont un peu comme ça. On est d'accord. Non, pas celle-là, pardon. On va faire ça bien. Agrandir zone là, comme ça. Alors ça, tu l'installes ici. Maintenant, ça, tu l'installes là. Putain, pourquoi, bordel, pourquoi? Putain, où est-ce qu'ils sont partis me l'amener, ces cons? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet événement? Drought. Sécheresse inhabituelle s'est installée. La sécheresse dévastatrice par la vie végétale et empêchera rapidement toutes les cultures non plantées en hydroponie ou en sol ont de facilité de pousser. Oh la vache! Waouh, 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 waouh. Le jeu s'acharne définitivement là. C'est la merde. Ouais, ça commence à être sérieusement la merde là. Ça commence à être sérieusement, mais vraiment sérieusement la merde. Alors, on va pas se laisser abattre, les gens. On va pas du tout, alors du tout, du tout, du tout se laisser abattre. Moi, je vous le dis clairement. Alors, recherche. Le jeu m'en veut, il n'y a pas de souci. J'accepte. Challenge accepted. Ah oui, puis en plus c'est marqué quoi. One Night Soul. Croissance à zéro. Ok. Alors ici ça fonctionne par contre. Ici ça fonctionne. C'est énorme. Le jeu m'en fout plein la tronche là. Le jeu m'en fout plein la tronche.
Je prends, hein. Peut-être, mais dans un premier temps, je vais faire autrement. J'ai mis la jambe bionique sur JPB. Normalement, oui. Oui, ça a été fait. Ah oui, Abigail, tu es debout. Insolation insignifiante. Va te reposer, ma grande. Putain, où est-ce qu'ils m'ont mis le truc, quoi? C'est, j'ai perdu mon meuble. J'ai perdu ma sortie de... Ah si, elle est là. C'est dingue ça, que tu veuilles pas là. Est-ce que c'est bien parce qu'il n'y aurait pas les animaux? Mais oui, je garantis la sécurité de tout le monde, c'est paix, amour et bonheur chez moi. Venez, 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 venez. Venez. Oui, ça reste. Ici, ça fonctionne. Comme tu vois, j'ai de la terre fertile. Alors que... Ah, mais ici, ça marche. Attends, mais j'ai pas de la terre infertile partout. Ah oui, d'accord. Pardon, j'ai le pourcentage au-dessus. Elle est pas infertile à 100%. Par contre, plafond de verre, ça a l'air de les protéger. Ça va les protéger avec les plafonds de verre. On va faire ça. Pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai pas autorisé la construction de toit. Ok, très bien.
Autorisons la construction de toit. Ciel ouvert. Non, pardon, zone de couverture. Hop. Maintenant, plafond de toit, puis de lumière. Non, faut d'abord qu'il y ait un plafond. Ok, très bien, on va attendre. On va attendre, on va attendre. Alors, là, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. L'entrée de souterrain ici. Là, là c'est un... Là, je ne sais pas. Sortie de rouleau souterrain doit être placée à portée d'une entrée de rouleau existante. L'entrée est ici. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Faut être patient quand on joue avec les différents trucs. La qualité du sol qui pourrait pas supporter. Ok, c'est pas mal ça comme c'est pas mal comme idée. Actuellement, c'est du gravier. Effectivement. Le rouleau souterrain doit être alimenté d'électricité contrairement aux tapis normaux. Non, non, non. C'est pas... Je pense plus que Jimmy a raison. Parce que le tapis, effectivement, il est alimenté, mais je peux quand même le construire. Même s'il n'est pas alimenté, je pourrais quand même le construire. En gros, ça pousse, mais c'est quand même la merde. Ok, là je peux. C'est intéressant quand même que le jeu m'attaque maintenant sur d'autres aspects quoi. Parce que cet aspect là il est quand même assez chiant, faut dire ce qui est quoi. Alors production. Culture hydroponique, ok. Alors vous avez vu, j'ai les core drills. Rappelez-vous le core drill, ça permet de miner n'importe quoi. Donc ça c'est très 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 performant, mais ça coûte très 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 cher. Vu leur zone d'effet, tu pourrais mettre des puits de lumière de une case à un pour économiser du verre. Ok, on va refaire ça. Au niveau des recherches, on va partir sur le premier vaisseau. De toute façon, on est en mode autarcie, les gens. Je ne repartirai pas faire. Je repartirai pas faire des caravanes. On a vu ce que ça a pu donner. T'es pas obligé de faire full vert, ils ont une portée de 3 par 3 niveaux éclairage. Ah, c'est l'aura qui est autour, c'est ça? Quand je fais ça, en fait, ça éclaire 2 par 2, mais ça éclaire en fait 4 par 4. C'est ça que t'es en train de me dire, Jekyll?
Je sais pas du tout. Honnêtement, je m'en sers quasiment pas depuis de venir. D'hiver, où est-ce qu'elles sont ces petites lumières là? Agriculture, alors j'ai la lampe horticole, ok. Où est-ce que j'ai le truc? Marchand de textile, ok. Ah, attendez, ok, c'est ici, dans mobilier. Les One Sunlight. Putain, ouais, ça marche pour les plantes, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Alors, je sais, c'est riche ce que je fais. Je vous rappelle que j'ai un réacteur nucléaire qui, normalement, je dois en faire un second. Qu'est-ce que ça me coûte ça normalement? 800 de métal. Métal, c'est un peu la dèche. Alors en même temps, on en est où? Addiction à la caféine. Kines Fly, c'est qui lui? Ah putain, c'est un ours. Mort de rire. Marchand de textile, vaisseau commercial, c'est pour toi, Siam. Le cumul des bonus, la terre est à 257% de bonus. 333 pour ici. Je peux te garantir que ça pousse. Et ça tombe bien parce que je change, je fais pas du thé. Je vais faire je vais faire du maïs. On va changer un peu le fusil d'épaule, les gens. On va faire du maïs. Il y a 2 robots HS, faut que je regarde ça. Alors, synthétique, on va vendre. Diable étoffe, on va vendre. Hyperfibre, on va vendre. Tu as dressé les animaux pour produire du fer? Oui, il faut que je regarde, Falk. Normalement, ils ont dû être dressés. J'ai pas regardé les messages. Là, je vends pour me faire de la thune. Bien, ça c'est cool. Ça, c'est pratique. On va effectivement rentabiliser tous les pelés qu'on a butés. Alors, les trucs bons, je vais les garder pour les vendre comme ça, par contre. Bon, pour l'instant, à part l'aspect climatique, c'est plutôt un épisode calme. Juste pourvu que ça dure. Ceinture brouilleuse, je la vends. Le Gold Ring Jade en chef-d'œuvre, je prends. Tonopoy était mort à la fin de l'infestation. Le dé, par contre, j'avais pas fait gaffe. Je sais plus du tout. Masque de guerre, voile de guerre, voile, 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 voile. Les pantalons renforcés, ceux-là, je les vends. Les casques renforcés, je les vends aussi. Allez, 3000 de thunes, c'est bien ça. Donc ouais, on va se faire un plant de maïs de fou là. Pour l'instant, on va pas autoriser le semis. Parce que je veux qu'au niveau agriculture, ça envoie du lourd. Je veux du riche là. Allez hop, au taf.
Alors, les robots qui sont au tas, faut que je regarde. Oui, les deux robots qui sont au tas. Ah putain, oui, j'en ai. Ah putain, mais ça, c'est des cadavres, ça. Ah putain, me dis pas qu'en plus j'ai des malus par rapport à ça. Non, c'est bon. Mais oui, c'est des ED qui ont pété. Oh, putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Nem qui revient. Je m'en fous, lui. Faction Andromède. Oh merde. Je pouvais pas lui faire une tombe pourrie pour lui. Alors, d'hiver, on va faire une tombe pourrie. Je vais pas ramener un truc. Je crois qu'il y avait des trucs à ramener. Ah putain, mais il y a ED08 dedans. C'est parce que c'est pour ça en fait. Non, c'est bon, ne le pétez pas. En fait, ils sont en train de péter les tombes. Ces cons sont en train de péter des tombes. Donc forcément. Allez, ramenez-les moi. Ramenez-moi des sarcophages que j'aille enterrer mes morts là. S'il vous plaît. Voilà, ça devrait le faire. On en était où? Les animaux. Oui, les animaux. Les animaux, les animaux. Ils sont là. Phyto mining. Ok, parfait. On les fout en herbie. Et c'est nickel. Ok, c'est de la terre. On a de la terre. On a de la terre, on va pouvoir tester la théorie. La théorie de Jimmy. Eh ben c'est pas ça. Putain. Ok, va falloir que je fasse autrement. De toute façon, je suis baisé par le champ. Hein. Je suis baisé pour le champ. Qu'est-ce qu'elle plante un cactus? Plante un cactus, GG, il n'y a pas de zone agricole. Il n'y a rien à planter là. Alors attends, elle veut planter un truc, ok. Une zone agricole, il y en aura une ici, effectivement. Sauf que pour l'instant, j'autorise pas le semis. Qu'est-ce qui me manque ici? Ah putain, je l'avais fait en Saint-Amide. Établi de tissage électrique. Bon, on va le faire en améthyste. Établi de tissage électrique. Ok, je peux pas. On va le faire en quoi? Putain, j'ai du uranium. Ça, c'est pas mal, ça. J'ai en Saint-Amide composite. Oh, si je peux le faire. Non, j'en ai pas assez. Du bois, le bois, le bois, ça commence un petit peu à être la dèche, non? Combien il me reste en bois? 500, c'est un peu la dèche. Le bois, ça commence. Quoi que tu me diras, j'ai ma ferme ici qui commence à être pas mal. Non, c'est bon, je peux le faire en bois. Établi de tissage électrique en bois. Voilà. Déshabiller les cadavres. Oui, je peux déshabiller les cadavres, effectivement, parce qu'ils avaient du bon matos. Est prêt à péter un câble. Pourquoi? Subit des insultes. Non, faut pas dire ça. Subit des insultes. Ça. Un animal qui m'était proche est mort. Pas évident. Après, ça pourrait être pire. Hein. Je pourrais avoir des attaques. J'ai peut-être un petit peu de quoi répondre, mais c'est pas non plus ouf. Hein.
une prisonnière à aller sauver. Alors. Une garde du corps de 71 ans. Ouais, ok. Fin de la discussion. 71 ans, quoi. C'est pas avec ça que je vais repoper la cara la colonie, quoi. On en est où? Ok, ça mine toujours. Où est-ce que j'en suis au niveau des hydrauliques leg? Qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Ah, il va faire dodo dans son petit lit tranquillou. Ok. Nem, il est viré ici. Oui, voilà, ce qu'il fallait. Je suis en train de me dire qu'il me manque un truc. Il me manque le scanner géologique. Très important ce truc. Très important, très fragile. Il faut que je le place dans une zone stratégique. On va le mettre là-haut. Ouais. C'est pas trop mal. Celui-là, il est important. Celui-là, il est suffisamment important pour mettre ça en pause. Parfait. C'est qui? C'est Tandopoy. Non, ED03. Allez hop. Voilà. Parfait. Ici, ça sera Tandopoy. Je suis généreux, hein. Pour ton souterrain, il ne faut pas une distance minimale. Bah écoute, je sais pas. J'ai un doute. Sortie de souterrain, transmettricité, rouleau et appareil électrique adjacent. Je sais pas. Je vais essayer un truc, on va voir. Par contre, on est d'accord qu'avec cette connerie de fertilité là, je vais avoir beaucoup de mal. Le stock de foin, il n'est pas éternel. Moi, je vous le dis direct, le stock de foin, il n'est pas du tout éternel. Alors, divers cultures hydroponiques, c'est où déjà? Bassin hydroponique. Parfait. Ah, oh, ça coûte la peau des rouleaux, les gens. Ça coûte la peau des rouleaux. Alors, vous parlez d'un héros. Hey, merci beaucoup. Des taxchimistes, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, bienvenue à toi.
juste que je peux faire pousser déjà dans le... J'ai un doute de ce que je peux faire pousser dans les bassins hydroponiques. Je sais plus si je peux faire du foin. Je m'en suis servi rarement, ça. Tu aurais pas la longueur de l'autre qui serait dans la zone de celui que tu veux poser? Ah! Alors. Non, parce que j'ai essayé tout à l'heure. Parce que tout à l'heure j'ai essayé de l'installer ici. On va voir. Je vais réessayer. Après au pire je vais le détruire et je vais le refaire quoi. De toute façon je vais les détruire et je vais les refaire je pense. Oui, oui, non, mais c'est fait exprès, Falk. Parce que c'est peut-être un bug, c'est pour ça. Oh putain, j'ai plus de pommes de terre là. Alors, là. Là, ça commence à craindre les gens. Là, ça commence à craindre. Là, je vous jure que ça commence à craindre. Parce que, en termes de bouffe, j'ai plus grand chose. Alors, je vérifie juste si les robots sont tous en batterie. Non, Cannibal n'était pas en batterie. Mais là, ça commence sérieusement à craindre. Le réglage de 10 cases, Abigail, c'est 10 cases maximales. Là, ça commence à puer grave, là, par contre. Le jeu est en train de m'affamer. Et ça fonctionne. Ça fonctionne trop bien, même. Ça me fait marrer parce que comment tu fais chuter un empire assez facilement, c'est la bouffe, quoi. C'est la bouffe, quoi.
J'ai pas grand chose, hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai que 7 colons qui ont besoin de manger, quoi. Mais regardez, ils sont en train de taper dans les. Ils sont en train de taper dans les. Dans les. Dans les plats de survie là, dans les rations de survie. Et je peux vous garantir que là, je fais pas le malin là. Poussinou, viens ici. Tu n'as pas de quoi faire, c'est pas possible ça. Je ne le crois pas. Alors, place simple. Y a toujours moyen avec les œufs normalement. J'avais retiré les œufs? Non, j'ai pas retiré les œufs pourtant. Les œufs de poule. C'est les fécondés ou quoi? Ah oui, c'est les fécondés. Ok. Alors, autant pour jeu. Pour les plats simples, on va autoriser les œufs fécondés de poule. Pas le baryonyx, ça c'est sûr. Allez, vite. Non, il n'y a rien à chasser. Ok, c'était l'entrée de souterrain qui était buggée. Comme quoi, des fois, ça tient pas à grand-chose. Hein. Ce genre de bug-là, je l'avais pas avant. Là, c'est juste qu'il y a. Il y avait un petit. Petit bug. Alex, va consulter. Faudra nous mettre en sommeil cryo. C'est pas con ça. C'est pas con, c'est pas con. Le problème, c'est que j'ai besoin de tous les humains, quoi. Qui pourrait aller se mettre en sommeil cryogénique? Les cuisiniers, j'en ai deux. J'ai Poussinou et Mylex. Poussinou, je peux te mettre en cryogénique, je pense. Allez, Poussinou, c'est parti, je te mets en stand-by. Non, 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 je vais pas bouffer des cadavres. Je vais pas bouffer, je vais pas bouffer des cadavres. Il me faut les N solutions, quoi. Les N solutions, c'était super, super pratique. 60 plastaciers, 60 aciers, 15 composants. Oh la vache! Tu fais des rotations sur les colons. Non, mais là, ça va être over chiant, quoi. En plus, t'as le mal des caissons, même si je dis pas de bêtises quand tu le sors direct. Manque plus que la retombée atomique et on est quick. Ouais. Viens chez les missiles gris, on va te donner un peu à manger. Je vais t'en foutre, moi, à manger, tu vas voir. Sale traître.
Faut que je rappelle les mineurs. Faut que je rappelle les mineurs. Il me faut du matos là. On peut mourir chez Prior, c'est la 9 vie. C'est pas faux. Ah mais même ça. Cargo supply. Alors. Quoique non, ça par contre, ça c'est bon ça. Ici c'est pas trop gêné pour le coup. Ok, m'ont laissé des œufs de dunalisque infertile, parfait. Ah, oh, Mylex est proche de péter un câble. Ça fonctionne si tu mets en... Non, t'as pas d'infos sur ce qu'il y a dedans. T'as pas d'infos... Ouais. C'est pas en cas de long séjour en cryo, je sais pas. Même petit, hein, je pense que ça suffirait. Hein. C'est qui mon troisième custo, hein, que je me fasse pas surprendre? C'est Sian. Sian, elle peut faire à manger aussi. Ok, j'étais en train de me demander qu'est-ce qui balançait, mais c'était eux quoi. Reza répare Mylex. Ça c'est bien ça, DB ça. Miam miam, faire à manger. Alors, c'est reparti. Oh putain, là par contre, lui il a du stock. Lui il a du stock. Ah, 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 ah. 16 000. Je peux pas autant. Je peux pas autant. Ça par contre, ça je peux ça. Ah, ça c'est bien ça. Allez hop. Il me faut tout ce matos. Je m'en fous si je me rince en thune. Célène. Où est-ce qu'il est son lit? Il est là. Non, 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 elle a juste envie d'utiliser les toilettes des invités, mais il y avait son lit dispo. Alors c'est marrant, c'est que ici il y a. Ah, mais c'est à ciel ouvert. Ah oui, en même temps, après, j'ai pas besoin de faire des. J'ai pas spécialement besoin de toi là, je suis en train d'y penser. J'ai juste besoin de bassin hydroponique. Ça change tout ça. Bon, le seul problème c'est que ça consomme de l'énergie, on est d'accord. Mais techniquement. Si je veux faire ça, je peux. Est-ce que je peux faire du foin? Je voulais te vérifier. Non, je peux pas faire du foin. Ok. Ça va être problématique pour les animaux, je vous le dis. Qu'est-ce qu'ils plantent sans forcément beaucoup de fertilité? Fertilité du sol requise. Ils ont tous besoin de beaucoup, quoi. Non, pas les patates. Pas les salades, pardon. Les salades n'ont pas besoin d'énormes. Eh bien, je vais tenter, tiens. Je vais tenter.
On va voir ça. Food trader. Ah oui, bien vu. Vaisseau commercial. Ça, c'est le jeu qui me tente, tout ça. Qui me dit, t'as vu ce que tu pourras avoir, mais tu l'as pas. Ça, je pensais pas être autant agressé par les éléments, en fait. Ça marche toujours bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ce con? Il me propose beaucoup de maïs. Moi, je peux lui vendre du thé. Honnêtement, vaut mieux avoir du maïs que du thé actuellement. Ok, et en plus, je fais un peu de thune. Maïs, on est d'accord. Hein, priorité ici. Ah, ça pousse un petit peu quand même, mais ça pousse très 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 lentement. Ça pousse juste très 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 lentement. J'ai quand même mon stock qui s'abaisse. Ouh, j'ai bébé rhinocéros qui vient d'arriver. Parfait. Avec un éléphanto. Bien. Allez, tous les deux, vous passez en animaux de combat. On verra plus tard si on arrive à nourrir tout le monde. Mais là, pour l'instant, là, ça se complique. Je vous le dis, ça se complique. Hein. Alors, n'est pas affecté à recherche. Alors, c'est quel truc ça? Ok, utiliser un scanner géologique. ED. Abigail, tiens. Abigail, tu vas rechercher des ressources à longue portée. Scanner géologique. Faut que tu nous trouves des trucs là, Abigail. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire planter? Des patates. Plante des patates. Alors heureusement que j'ai le réacteur nucléaire, je le dis direct. Si j'ai un débarquement orbital ou un incendie, les gens, c'est une catastrophe. Alors.
hors de l'intervalle de température, pousse à 50%. Donc on est d'accord qu'il leur faut un toit et une clim. Ok. Je vais devoir utiliser des clims parce que là j'ai pas le choix. L'école cristal, le problème c'est que c'est pas suffisamment fiable dans une pièce comme ça. Ça suffira pas, on va dire. Cette misère. Maintenant qu'elle fait des activités calmes, elle pourrait être en cloque à Abigail, mais non, Asken attend qu'elle aille au combat pour l'insémination. Bah écoute, c'est elle qui m'a dit qu'elle voulait attendre, je te signale, Gigi. Et c'est sympa de suivre. Bonne nuit, Serge. J'attends des régimes de ma santé mentale. Pour l'instant, t'es toujours en malus. Pour 5 jours. On fera ça au prochain stream, donc à Big Game. Tiens, tiens, le Saint-Jude. Bah écoutez les gens, on va s'arrêter là aussi. Minuit, parfait. Donc c'était la partie numéro 20 de cette campagne Andromède. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre présence. Je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain pour la partie numéro 21. Allez, bye bye les gens.